Dans le chant, dans le livret, on prend la page 61. Oui, Seigneur, tu es bon. Le deuxième et le troisième couplet. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Ma force et ma joie sont en lui. Oui, mon rempart, c'est ton esprit. La terre est pleine de son amour. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oh oui, Seigneur, tu es ma force. Toi, ma lumière et mon salut, ma confiance est dans ton amour. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Certes, nous avons nous-mêmes choisi de nous rassembler ici, aujourd'hui, mais c'est en réponse à l'appel d'un autre, en réponse à celui dont nous avons dit qu'il est bon, qu'il est ma force, en celui qui se propose de nous appeler ses amis. Laissons-nous toucher par cette amitié de Jésus envers nous. Laissons-nous réconcilier avec lui. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié de ton peuple. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié de ton peuple. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne d'un péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous te prions, Père très bon, à la parole de ton Fils, envoie-nous ton Esprit Saint, qu'il soit en nous le vivant souvenir de tout ce que Jésus nous a dit. Lui qui est ta parole dès le commencement et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverrèrent à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude et Silas. Voici la lettre qu'ils leur confièrent. Les apôtres et les anciens saluent fraternellement les païens convertis, leurs frères qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Nous avons appris que quelques-uns de nôtres, sans aucun mandat de notre part, sont allés tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons décidé, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous enverrons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, qui ont consacré leur vie à la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci, qui s'imposent. Vous abstenir de manger des aliments offerts aux idoles, du sang ou de la viande non signée, et vous abstenir des unions illégitimes. En évitant tout cela, vous agirez bien, courage. Alors on invita les messagers à se mettre en route et ils se rendirent à Antioche. Ayant réuni l'assemblée des fidèles, ils communiquèrent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent et l'encouragement qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Devant les peuples, Seigneur, je te rendrai grâce. Devant les peuples, Seigneur, je te rendrai grâce. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter et jouer des hymnes. Devant les peuples, Seigneur, je te rendrai grâce. Éveille-toi, ma gloire. Éveille-vous, harpe, cithare, que j'éveille l'aurore. Devant les peuples, Seigneur, je te rendrai grâce. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouirai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, la vérité plus haute que les nuées. Devant les peuples, Seigneur, je rendrai ta grâce. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Devant les peuples, Seigneur, je rendrai grâce. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur nous a laissé un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Mon condia se quito se pela. Do yembela ye. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur,
Car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis. Car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Cela nous évoque bien sûr l'évangile de dimanche dernier, l'évangile de la vigne. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Si le sarment est bien fixé sur le cep, s'il tire de lui toute sa sève, toute sa force, si nous sommes vraiment attachés au Seigneur et que nous recevons de lui son esprit, alors nous porterons du fruit. Cette union intime avec Jésus, il l'exprime de nouvelles manières aujourd'hui. D'abord, il nous dit que cette union ne vient pas de nous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il est le Verbe, et par lui tout a été créé. C'est de lui que nous tenons la vie, c'est de lui que nous tenons d'être ses disciples. Non seulement il nous a choisis, mais il nous a aussi établis, envoyés, pour que nous portions du fruit. Et le plus beau fruit qu'il nous demande de porter, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Mais il ne s'arrête pas là pour exprimer l'union, la communion profonde avec lui. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis. L'amitié. Quelque chose de fort, l'amitié, ça ne se fait pas en quelques secondes, en quelques jours. Le psychologue dit qu'il faut bien 5 ans de se connaître, de se fréquenter, de se parler, de vivre des choses ensemble. Il faut bien 5 ans pour qu'on puisse vraiment parler d'une amitié vraie, profonde. L'amitié maintient cependant toujours une saine distance. Contrairement peut-être à un amour conjugal, plus proche, plus fusionnel peut-être. Par contre, il nous arrive de confier à un ami ce qu'on ne confie pas nécessairement à son conjoint. Il y a un autre type d'intimité entre des amis. Et Jésus nous invite à devenir son ami. Et il nous partage l'intimité de sa vie. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Son intimité la plus profonde, c'est sa filiation avec Dieu, sa communion profonde avec son Père. C'est cela qu'il nous communique. Et c'est bien ainsi que lorsque nous regardons Jésus, en véritable ami, nous voyons Dieu. Car ce qu'il nous fait connaître, cet ami qu'il veut être, Jésus, c'est son Père, c'est son intimité avec son Père, c'est Dieu lui-même. Alors ne refusons pas cette invitation du Seigneur à devenir son ami. Et ne cessons jamais de le regarder, là, sur la croix. C'est là que nous verrons Dieu. Amen.
Il nous l'a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Unissons-nous dans la prière. Nous te confions, Seigneur, notre Église, qui est l'image de l'Église à Jérusalem, qu'elle sache discerner et proposer aux croyants un chemin de fraternité et de paix. Nous t'en prions. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, nos églises locales, particulièrement pour les unités pastorales à Bruxelles et l'Église vivant en ce lieu. Réveille en elles la joie et le goût de te servir. Nous t'en prions. Ô Christ, ressuscité, nous te confions, Seigneur, ceux qui sont rejetés, exclus, abandonnés, qu'ils retrouvent un chemin de paix et de réconciliation. Nous t'en prions. Ô Christ, ressuscité, oui, Seigneur, répands largement ton esprit sur ton peuple et renouvelle sans cesse ceux qui veulent te servir. Toi, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Ensemble, frères et sœurs, c'est le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Père, avec nos offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là, juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire à toi, Père d'infinie bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car à la parole de ton Fils, annonçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toute langue et de toute culture, et tu ne cesses de la visiter par ton Esprit pour faire grandir, jour après jour, notre unité. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l'espérance. Elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi nous te glorifions sur la terre comme tu es glorifié dans les cieux et nous proclamons d'une seule voix. Santo, 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 santo,
Jehova fumi saseyo, santo, 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 yonde zambe mo santo, 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 santo. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la fit passer à ses amis en leur disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous présentons de manière particulière les défunts de chacune de nos familles, les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit du Seigneur avec confiance, osons dire la prière que nous avons reçue de lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, à nos familles, au monde, à l'Église. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, sans te lasser, tu nous fais le don de ta paix. Affermis le courage de ceux qui sont fatigués. Redonne confiance à ceux qui se découragent. Ne regarde pas nos limites, nos lenteurs à nous mettre en route. Que ta force soit plus forte que nos doutes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec partageons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, frères et sœurs, d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le cœur et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne à nous.
vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici les corps et les sangs du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie. Rassemblons notre action de grâce en une dernière prière ensemble. Dieu qui demeure toujours auprès de tes enfants, maintiens-nous dans la paix que ton Fils nous a donnée en cette Eucharistie et garde-nous dans la joie que ton amour sans cesse fait rayonner. Exauce-nous par le Christ notre Seigneur dans la puissance de l'Esprit, Dieu de lumière pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et passez une belle journée.